Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder un problème qui semble ne pas en être un en apparence, mais qui pourtant peut vous arriver. Vous avez un CV trop rempli. Or, on le sait bien, l'objectif d'un CV, c'est de pouvoir être lu extrêmement rapidement, de tenir sur une page et de faire ressortir les points essentiels de votre profil pour que le recruteur puisse, dans sa première sélection rapide, garder votre candidature. Donc oui, un CV trop rempli, ça peut être un problème. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre ce problème avec trois solutions. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chassolan, je suis coach carrière, je vous accompagne depuis 15 ans dans votre recherche d'emploi, votre évolution de carrière, dans la recherche de votre valeur ajoutée professionnelle. N'hésitez pas à télécharger le guide gratuit de l'entretien qui est à votre disposition, vous trouverez le premier lien en description. Vous pouvez également réserver un rendez-vous pour me rencontrer en visio, en face à face, pour un bref échange très efficace, pour faire le point sur votre recherche d'emploi ou sur votre situation professionnelle. Alors, que faire de votre CV trop rempli que vous peinez à faire tenir sur une page qui peut-être en fait plus d'une d'ailleurs, ce qui est tout à fait préjudiciable? Nous allons voir trois méthodes pour pouvoir résoudre ce problème. Première méthode, vous avez tendance à penser que votre CV est le seul et unique outil de communication entre vous et le recruteur lorsque vous postulez pour une offre d'emploi. Ce n'est absolument pas le cas. Généralement, le CV, déjà, est associé à une lettre de motivation. Nous allons voir comment transférer une partie des infos du CV vers la lettre de motivation. Ensuite, il y a un outil extrêmement puissant que je vous invite à utiliser lorsque vous êtes en recherche d'emploi, et vous le faites certainement. Ce sont les réseaux sociaux en général et LinkedIn en particulier. Sachant que nombre de vos informations professionnelles et personnelles vont pouvoir figurer sur votre profil LinkedIn. C'est donc une manière d'élaguer là aussi sur votre CV en renvoyant avec une ligne spécifique sur votre CV, en renvoyant vers votre profil LinkedIn qui est certainement plus rempli, plus étoffé et qui donne une vision de vous beaucoup plus complète. Donc, la première erreur que l'on commet lorsque l'on a un CV trop rempli, c'est qu'on est convaincu que c'est notre seul et unique outil de communication. Ce n'est pas le cas. Versez une partie des informations du CV vers la lettre de motivation pour pouvoir rendre beaucoup plus concise l'énumération des différents postes que vous avez occupés et des différentes missions que vous avez pu accomplir. Versez également toute une partie des informations dans votre profil LinkedIn, ce qui permettra de mettre de l'air dans votre CV. Deuxième méthode pour résoudre ce problème du CV trop rempli, trop complet, eh bien travailler votre CV par compétence. Lorsque l'on a un CV trop rempli, c'est bien souvent parce qu'on a déjà une longue carrière derrière soi, qu'on a occupé différents postes et que le temps de tous les énumérer et de les expliciter, eh bien ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de temps à la lecture. Or, très souvent, d'un poste à l'autre, vous avez pu réaliser des missions qui se ressemblaient et qui se prolongeaient en allant progressivement vers un niveau d'expertise. Ça n'est donc pas intéressant pour le recruteur de lire plusieurs fois la même ligne. Ce sera beaucoup plus pertinent pour lui de voir ressortir instantanément les gros blocs de compétences que vous souhaitez mettre en avant et auxquels vous êtes parvenu à un niveau d'expertise. Il est évident que ces compétences que vous allez mettre en relief doivent directement être en lien avec celles qui sont demandées de manière explicite dans la fiche de poste. Vous allez donc réagencer et prioriser les compétences à chaque fois que vous briguez un poste en particulier pour l'adapter à la demande du recruteur et pour qu'en lisant le CV, ligne après ligne et en fonction de ses propres priorités, il comprenne que vous avez les compétences requises pour le poste qu'il a ouvert. Si vous faites un CV par compétences, n'oubliez pas de le compléter par une chronologie des postes occupés qui du coup sera très rapide et permettra de faire ce chemin temporel, de comprendre votre parcours très rapidement. Troisième solution, lorsqu'on a un CV beaucoup trop rempli, eh bien, il va falloir
élaguer en fonction de la ligne du temps, c'est-à-dire qu'il n'est plus forcément nécessaire de parler de ce tout premier emploi dans lequel vous êtes resté 6 mois, de ces premiers jobs dans lesquels vous n'aviez pas forcément le niveau d'expertise et de compétences que vous avez actuellement. Donc choisissez dans le retour en arrière à partir de quel moment ça vous semble pertinent de redébuter la présentation de vous-même. Si vous occupez aujourd'hui des postes d'encadrement, de top management, il n'est absolument pas utile de redérouler sur votre CV toute la première partie de carrière où vous n'étiez pas en situation d'encadrement. Vous pouvez le faire figurer éventuellement dans la chronologie, et encore, il n'est vraiment pas certain que ça intéresse le recruteur. L'exercice du CV n'est pas un exercice d'exhaustivité. C'est une sorte de carte de visite développée. C'est une sorte de menu qui va permettre au recruteur de comprendre comment vous allez le nourrir par rapport à son besoin qui est et qu'il a exprimé dans la fiche de poste. Le CV, c'est une plaquette de présentation que vous devez travailler comme n'importe quel objet de communication. Il est là pour vous mettre en valeur. C'est à vous de piocher dans votre déroulé de carrière, de choisir ce qui vous met le plus en valeur par rapport, toujours, à une annonce, à un poste précis que vous briguez. Voilà, vous l'avez compris, avoir un CV trop rempli, ce n'est pas un problème, c'est juste une erreur de stratégie, une erreur de vision de ce qu'est le CV. Et donc, en élaguant, en choisissant, en mettant en relief les éléments clés de votre parcours qui vont prouver de manière très efficace et très rapide au recruteur que vous êtes la bonne personne pour le poste, eh bien, vous ferez mouche, vous tomberez exactement dans les critères de sélection du recruteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils pour bien rédiger vos CV, vos lettres de motivation, réussir vos entretiens de recrutement et optimiser votre recherche d'emploi. À très bientôt dans d'autres vidéos.